du bébé. Non, je suis les muffins de maman. Lèche pas ma muffin. T'as passé un poil de lécher la muffin de maman. Je sais, ils sont bonnes. Mais tu peux pas, mon amour. Écoute, t'es belle. Lilia, maman. Oh, non, monte pas chez maman. Salut! Bonjour, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog! J'aime toujours ça vous dire coucou. On dirait genre, on dirait que j'ai comme une interaction comme tout de suite, comme on dirait je vous parle tout de suite, tu sais, je sais que je vous parle, mais dans ma tête, je pense que vous allez me répondre, je suis comme, ah, oh, tu sais, je vais parler au vlog, tu sais, comme si je parle à des amis tout de suite. Mais dans le fond, je me parle tout seul, mais c'est comme le fun pareil. Je sais pas si vous comprenez, peut-être pas, mais peut-être ceux qui font des vlogs, peut-être vous comprenez ces gens comme « Ah, je vais aller jaser », mais sans retour, mais dans ma tête, c'est comme si on se parle, ok? Mais ici jeudi, on dirait que j'ai changé de nom, ici jeudi, dans l'épisode, oh mon bébé, excuse. C'est ça, ici. On est jeudi et comme vous voyez, je vous parle, il est 11h36, donc enseignante encore en vacances, hein? C'est ça la vie d'une enseignante suppléante, puis je m'attendais à ça, là. Jusqu'à temps que, genre, les enseignants se mettent à la routine, qu'ils commencent à avoir des formations, qu'ils commencent à avoir des rencontres à l'école, jusqu'à temps que... Comme la routine s'installe, habituellement les enseignants aiment manquer le moins possible. Puis genre, troisième semaine de septembre, je dirais, c'est pas mal là que ça va faire comme le go-go. Donc, mais j'espère dans le fond. Mais on verra bien. Donc je me suis dit à la place de rester à la maison à rien faire, je vais jaser avec mes amis. Et genre, je sais pas si vous pouvez voir écrit. On va adresser l'éléphant dans la pièce, comme on dit. J'ai un ami qui est sorti pour le temps du mois. Et je n'ai jamais eu un ami dans le visage qui fait aussi mal, genre, il ressemble à un gros cratère. Puis genre, quand je fais comme ça, genre, il fait mal. Puis tantôt, genre, il faut que je vais au dentiste. Ça voudra que je m'ouvre grand la bouche, genre, ça fait mal. Ok, c'est rien que ça je peux vous dire. Ça, c'était mon petit 2 secondes de lamenterie. Mais genre, j'aimerais savoir, j'ai rarement... Je fais comme ça, j'essaie de bouger. J'ai rarement des boutons. Genre quand j'étais jeune, on avait genre des boutons d'adolescence. Là. Moi, j'ai une peau vraiment poreuse. Comme j'ai plein de pores, puis j'ai pas des points noirs, mais genre j'ai quand même des résidus dans le pore. C'est des résidus de maquillage, puis tout ça. Sauf que je me fais souvent comme des masques, genre pour enlever, puis tout ça. Mais j'ai quand même tendance à avoir des petits boutons. Surtout quand c'est le temps du mois. Avec les mâches, j'en avais. Puis là, je sais que le retour au travail, je vais avoir d'autres boutons. Moi, c'est souvent quand. Ben, c'est dans mes ondes poreuses. Je suis comme si je suis une grosse roche. Tu sais, comme, ah, oh, cette roche est poreuse. J'avais un cours de roche là, à l'université. Là, je peux pas croire, j'ai fait ça. Là. Mais il fallait tout, genre, qu'on savait le nom des roches, leur qualité. Genre, leur qualité. Je me sens comme ma première journée d'école. Là. Mon amie a 3 qualités. J'aime jouer avec elle parce que... Non, c'est pas comme ça qu'on décrit les roches, là, mais en tout cas, on avait un tableau, puis là, il fallait qu'on dise plein d'affaires. Ben, dans le fond, c'est ça. Je suis en train de me décrire comme que je décris les roches. Mais comme ici, là, ben, tu sais, la zone T, genre, dans le fond. Mais, ouais, sur là, j'ai mis, genre, ma petite... si vous connaissez les produits Mario Badescu, là, c'est genre le... petite bouteille là qui est genre liquide puis du rose dans le fond. J'en ai mis un petit peu genre pour le sécher. Mais si jamais vous avez des produits miracles, tu sais genre comme un masque ou une crème ou peu importe, j'aimerais ça que vous me laissiez savoir. Puis je pourrais vous en parler à un autre moment donné. Je suis certaine que je suis pas la seule. J'en vois souvent, je vois souvent parler de ça sur Instagram.
Donc, c'est ça. Et moi, depuis ce matin, pas grand chose. Hier, je me suis pas fait appeler non plus. Donc, ça fait 3 jours que je me lève. Genre, le matin à 6h, mon réveil sonne. Je me prépare, tout est prêt. Je me fais. À 7h, I'm ready to go. Molly, sa nouvelle routine, elle est trop vaillante. Genre, elle se lève pas. Genre, avant que j'ai fini, comme à 7h30, encore, elle fait dodo. Puis là, on a établi que c'est Francis qui allait s'en occuper le matin. Donc, elle allait, pour ça. Puis moi, je suis allée pouvoir aller travailler sans que j'ai besoin parce que Miss Molly fait dodo. Donc, on établit la routine de notre enfant. On est chavirés. Mais c'est ça, elle est trop vaillante. Puis, donc, c'est ça. Hier, j'ai eu comme une petite prime. J'ai fait un beau gros ménage. J'ai juste qu'à laver mon air fryer de Pamper Chef. Et là, c'est ça. Il shine. Je parlais à mon ami que j'avais, je pense, jamais lavé mon air fryer. Tu sais, il y a des places, genre, qu'on lave pas, là. Puis d'ailleurs, on s'est inscrit, mes amis et moi. Ça, genre, ça coûte rien, là. C'est juste comme il faut que tu mettes ton courriel. Au challenge de Go Clean Co. So, si jamais vous aimez faire le ménage et que, genre, tu sais, des fois, on sait pas comme quoi faire ou comme il y a des affaires qu'on a jamais lavé. Je pense que j'ai jamais lavé mon lave-vaisselle. Genre, la grille, dans le fond, je pense que j'ai jamais lavé ça. Tu sais, je vais pas changer la perspective que vous avez de moi. Peut-être vous allez penser que je suis une sale. Mais, tu sais, genre, comme je lave pas ça. Tu sais, il y a d'autres affaires qu'on pense pas à laver. Comme là, je regarde en haut, là, puis je réalise que ça devrait être lavé. C'est genre la fin, genre, ou l'échangeur d'air, ou je sais pas trop quoi, là. Mais oh, on dirait que ça aurait besoin d'être lavé, ça, avec du Tide. Go Clean Co. Go Clean Co, oui. Si jamais vous suivez pas ce compte-là, là, moi, ça fait quand même au moins un an, je dirais, que je suis là-dessus, là. Puis genre, c'est tellement satisfaisant, mais genre, j'ai pas... On dirait, elle, elle est au bout. Comme aller au bout de sa vie. Au bout, ça veut dire genre comme it, comme go, go, go. C'est pour ça que c'est go, clean, go. Elle, genre, ils font du ménage dans les maisons, pis tout ça. Puis je suis comme, oh my god, wow, mais comme c'est assez satisfaisant que comme, on dirait, je le fais pas ici parce que comme on dirait, c'est comme trop. Mais là, dernièrement, je suis comme, oh, je prends des petites bouses. Comme là, hier, j'ai tout lavé mes armoires. Comme j'ai tout lavé, genre, le dessus de mes armoires, ici. Dans la toilette, en tout cas, ça là, quand il y a des petites bulles comme ça qui me partent, ben tant mieux. Et ben c'est ça, c'était juste pour vous annoncer qu'il y avait un petit fall, comment on appelait ça, genre fall cleanup ou fall challenge ou fall quelque chose là. Mais c'est ça. Donc là-dessus, hier, j'ai fait le gros ménage. Aujourd'hui, bien, vu que là, le gros ménage est fait, ce matin, j'ai répondu à des petits courriels. J'ai répondu comme si... je parle comme si, genre, je suis Emma Chamberlain, une YouTubeuse des États. Mais non, genre, j'avais des petits courriels à répondre pour d'autres petites affaires. Et pas par rapport à YouTube, là, je ne suis pas à cette étape-là de ma vie. Mais genre des fois il y a des petits courriels là, de collaboration que d'ailleurs j'ai reçu un courriel, genre là je vous parle juste pour vous dire comme tu sais je suis transparente avec vous. J'adore, tu sais, je suis vraiment chanceuse, je suis vraiment reconnaissante, genre des colis que je reçois, puis en partie c'est vraiment grâce à vous, j'ai commencé, tu sais, c'est grâce à moi parce que je fais les vidéos, mais genre si vous seriez pas à l'écoute, genre si vous seriez ma tête, genre, m'a fait mal. Genre, mon cerveau a eu mal juste à entendre ce que je viens de dire. Donc, si vous étiez pas là, mais genre, il n'y aurait pas comme ce retour-là. En tout cas, on se comprend. Merci, je vous adore. Mais j'ai souvent, genre, des demandes puis des courriels de comme vraiment des compagnies tu sais, qui regardent clairement pas qu'est-ce que je fais là. Tu sais, moi, je suis doudoumine. Comme, je vous montrerai pas des affaires spéciales, disons. Ou, exemple, je suis tout en robe, puis là, il y a une compagnie, genre, de la Suisse ou quelque chose qui m'a envoyé un message, qui voulait m'envoyer, genre, des vêtements, mais comme, je sais même pas si le fil aurait fait le tour de mon bras. Tu sais, c'est comme, non.
sais. C'est comme, c'est des petits courriels comme ça que je réponds des fois que non, clairement, je vais dire non, désolé. Non, désolé, hihi, ça ne fonctionne pas. Mais juste pour dire, c'est ça, là, je dis pas oui, ah oh, oui. Tu sais, il y a des limites, il y a vraiment des limites à tout. Hein. Mais c'est ça, petite, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, là, mais petite bulle au cerveau ce matin, juste pour vous dire que ça arrive de dire non, c'est correct. Puis dans toutes les sphères de notre vie, hein, moi j'avais de la misère à dire non avant. À cette heure, je m'écoute plus. Plus en plus que je vieillis, plus en plus que je m'écoute. C'est important. C'est dans n'importe quelle sphère, dans notre travail, dans notre vie personnelle, dans peu importe quoi. C'est important. Mais aujourd'hui, vu que la grosse morale à matin, des fois je m'écoute après là, dans mes vlogs, je suis comme oh my god, j'ai pas d'allure comme. Pourquoi j'ai commencé à parler, qu'est-ce que je parlais du début? Genre j'ai vu mon bébé, là je parlais qu'il était 11h, je parlais de l'école, puis là je suis rendue non. Dans la vie, il faut dire non. Tu sais comme, moi je chaude vraiment d'une histoire à l'autre. J'espère que ça fait un peu de sens. En tout cas, vous êtes mourable de m'écouter, merci. Mourable, c'est comme comique. Vous êtes comique fine. Vous êtes comique fin. Mais bon, aujourd'hui, j'aimerais faire ça. Parce que comme cozy dehors, il va mouiller un peu plus tantôt. Ben genre, oui, il a mouillé un petit peu ce matin, là, tantôt. Il va mouiller plus, c'est ça. Et j'aimerais faire cette recette-là. Mais comme ça a-tu l'air assez bon? C'est genre des brioches aux pommes. Je pense que j'ai tout pour le faire. Et ça serait très long. Il y a assez des belles recettes là. Sauf si ça m'intéresse. Biscuits au beurre, pommes, cannelle. Dans le magazine 515 là. Danoise, pomme, caramel. C'est une qui le fait. Oh non, mon petit pompon. Mon petit pompon a décollé sur mon signet. Oh, ma pendant de signet, j'ai terminé le troisième tome de Un week-end sur deux. J'en sais pas d'allure comment c'est bon. J'ai adoré la série. Puis là, je vais. Gars, il est tout lousse. Oh, pitié. Oh, il est tout en train de se défendre. Fini. Finito. Au moins, j'ai ça. Je vais acheter les petits mots. Mais oui, j'ai fini. Je viens de finir. Comme je pense, j'ai commencé le troisième hier. Ou avant-hier, max. Puis je viens de le terminer. C'était juste trop bon. Comme. Quand on commence à lire, là, on peut juste pas arrêter. Puis la manière que ça finit, je suis trop contente. J'avais une petite flamme en moi qui me disait c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse. Jamais vous les avez lus, là. Vous savez qu'est-ce que Caroline devait faire? Ben moi, de mon côté, là, c'est ce que je voulais. Puis là, j'ai hâte à la sortie, genre, ben c'est comme une suite, c'est les mêmes personnages, mais pas vraiment une suite, c'est couple. En pandémie, puis là, il y a un X, thérapie. Ou au contraire, thérapie, pandémie, ouais. Mais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment bon. J'adore la plume de Geneviève, j'adore son humour. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ce matin, j'ai même pleuré. Moi, ça me prend pas grand-chose. Bah, pomme, cassana. M'en reste pas assez. Je pense que j'ai une demi-tasse. Je pense que j'ai tout. Pour faire ça. Puis aujourd'hui, je vais commencer. Ben, je vais commencer l'autre. C'était trop bon. Puis, ben, c'est pas mal ça. Sinon, update de Miss Molly a fait dodo. Elle est bien. Elle est contente que maman est à la maison. Elle est comique hier. On écoutait America's Got Talent. Puis, il y avait une petite fille qui chantait de l'opéra. Là, et elle hurlait. Là, si vous étiez sur une. Si vous êtes. Sur mon Instagram, là, vous avez vu, là, mais. Ouh! Elle faisait comme un loup, là. Non. Mais sinon, c'est pas mal ça, les plans de la journée. Petite danoise. Pour souper, ce sera des volets au vent. On va faire des volets au vent, des petites danoises. Lire un livre, aller au dentiste. Et c'est pas mal ça, les plans de la journée. Je sais pas si je vais vous vlogger aujourd'hui et demain. Mais la manière que je pense, ça va sûrement juste être aujourd'hui. Hein? Vous savez comment je suis. Donc je vais aller mettre de l'eau. Et je sais pas si je dîne avant. Moi je pense que je vais faire mes danoises après le dîner. On va faire un petit dîner
Je vais manger de la salade de pâte d'Alex que j'ai faite dans mon dernier vlog. Puis je vais me faire une petite assiette, genre craquelin, fromage, puis la petite trempette du Costco. Scotidaki. C'est, je l'adore. Je vous en ai déjà parlé, là, mais je l'adore. Je sais pas si j'ai des tostitos ici, je pense pas. En tout cas, ça là, avec des petits tostitos, genre des chips à nacho, là, non. Mais je vais manger ça avec des craquelins, là, c'est super bon. Et en passant, ah, j'aimerais avoir. Ben, en passant, je voulais genre vous parler moi-même, mais comme je voulais vous parler, je voulais juste dire, ah, en passant, pas moi. J'aimerais manger des tostitos avec la salsa. Anna m'a fait de la salsa, elle est trop bonne dans sa maison. Non, non. Donc, c'est ça, je pense que je vais me faire un petit dîner. Et, on se reparle tantôt. Vous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Laissez-moi savoir comment vous allez. Donc, petite intermission de vidéo accélérée de ma petite recette. Moi, les recettes qui donnent des mesures, mais qui fait pas vraiment d'allure. Et j'avais vu le glaçage, c'était genre juste sucre à glacer, puis du jus de citron, mais genre comme... J'ai mis beaucoup plus de jus de citron que la quantité demandée, mais ça fait juste quand même des grumeaux. Donc, quand j'avais lu la recette, je trouvais ça bizarre un peu. Donc, je me suis laissée genre du caramel de pomme. Là. Je vais vider ça là-dedans. Donc, si jamais vous essayez la recette, que ça peut vous aider. Ouh, c'est certain que ça va être moum. Et on va mix. Oh, regarde, déjà on a quelque chose. Essai numéro 2. Avec le genre caramel de pomme, c'est vraiment, vraiment sucré. Super bon, mais tu sais, t'en peux faire une crise de diabète à soir. Et celui-là, ben, je l'ai refait comme que ça demandait. Juste le sucre à glacer, du citron, genre le jus de citron, mais j'ai rajouté du lait. Donc là, c'est le genre la parfaite consistance. Donc, je vais vous essayer la recette. Et est-ce qu'on peut prendre un moment pour... Oh my god, non. Wouhou! Thank you.
Salut! J'arrive du dentiste, j'ai les dents toutes propres. Et, là, il arrive 6 heures, les petits volets au vent sont en train de cuire. Puis, ça, j'aime ça passer ça, genre quand. Comme là, hier, j'ai fait un petit poulet, j'avais un restant, ou genre si j'ai un restant de saumon, et avec des petites crevettes, c'est vraiment bon, des petites crevettes genre nordiques. Mais je trouve qu'avec un restant de poulet, ça se passe bien. Avec un restant de poulet, j'aime aussi faire des club sandwich ou genre des hot chicken. Mais là, je suis là, genre volé au vent. Parce que j'avais des gros. J'ai trouvé ça dans le fond de mon congélateur. Comme des petits légumes congelés. Là. Donc, je vais les utiliser. Je vais juste faire chauffer mon poulet et dans le poêle avec des légumes. Avec de la crème de champignons, un petit peu de lait, genre pour la mettre moins épaisse. Genre poivre. Puis c'est vraiment bon. Je vais juste mettre ça dans les volets au vent. Je vais faire ça avec du riz. Puis je vais couper des petits cocons. Ça va être ça, notre beau souper. Avec comme dessert nos danois. Non, mais ils ont-tu l'air bonnes ou pas? Mm. Et finalement, c'est ça. Mon glaçage a fonctionné avec le lait et le sucre glacé. Donc, on va aller faire ça rapido presto. C'est le fun parce que ça prend pas de temps. Comme là, je vais défaire un petit peu mon poulet. Là. Puis, je suis trop contente. Je suis excitée. Je vais à l'école demain avec des petits amis. Donc, ça va bien finir la semaine. Un beau vendredi avec les amis. Après, ben, c'est déjà la fin de semaine. Au moins, c'est ça que j'avais dit dans le dernier vlog. J'aimerais au moins faire une journée. Tu sais, je savais que ça allait pas être la semaine la plus occupée. La première semaine d'école, là, c'est vraiment normal. Mais je suis vraiment contente. En plus, c'est dans la classe à une des petites à ma belle-sœur. Une des petites à la sœur Francis, là, je vais pas lui dire. Elle va être au bout de sa vie de voir ma tante. Donc c'est ça, je vais aller défendre mon petit poulet, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Cherches-tu si maman fait des granulés? Oui! Tu cherches-tu si maman fait des graines? Oh, ils étaient belles! Hein, les amis, t'ont vu tantôt avec ta veste! Oh, t'as-tu hâte de la remettre? Petit amour! Oh, maman, elle te trouve trop belle avec ta veste! Oh, t'es belle! Mais t'es belle! Oui! Tu le fais pour mettre pour son collier. Non, non, non. Oui. T'es belle. Moi, je mange ma veste. Je savais. Oh, t'es belle. Bonjour. Bonjour, Coco. Tu sais. Il faut qu'elle s'habitue. Oui, il faut qu'elle s'habitue. C'est comme les foulards. Au début, elle n'avait pas ça. Elle s'habitue. Bébé, viens ici. Oui. Donc, je préparais ma petite boîte à dîner. Puis je voulais juste vous montrer mon lunch pour demain dans le fond. J'ai ma salade de pâtes. Après j'ai des petits cocombes. J'ai mes muffins de jojo dans le frigo. Ensuite je vais fermer ça. Puis je me suis fait un beau petit pot maçon de cette trempette là. Jalapeno. Je l'adore. Ça vient, moi je peux juste la trouver au Costco.
Si jamais vous la voyez dans une autre épicerie, faites-moi savoir. S'il vous plaît. Donc, petite trempette avec des petits craquelins. J'ai les triscuits air rôti. Puis avec ça, je vais mettre une petite banane pour ma collation. Oups! Une petite banane pour ma collation du matin. Et ça va pas mal être ça. Je vais mettre ça dans ma nouvelle boîte à lunch, je trouve belle. Puis ici, je pourrais mettre ma bouteille d'eau. Ça. Ma première journée d'école, mon bébé nous fait des grilled cheese. Yay. Grilled cheese avec de la sauce tomate. Non. Mais c'est bon, le grilled cheese avec de la sauce tomate. Regardez, j'ai mis une petite robe. Madame Mind is back. J'ai mis une petite ma robe vert que je vous avais déjà vu souvent. Mais avec mon petit cardigan, je trouve ça fait mignon. Hé, Mounie! Maman, es-tu mignonne? Puis mes petits sacs sont prêts, j'ai mis mon agenda, mon petit cahier genre où est-ce que je mets les journées et tout ça. Mon essuie, puis habituellement j'ai pas un livre, je sais pas si je vais porter un. Quand les amis font leur période de lecture. Faut donner le bon exemple. Et aujourd'hui, il va faire à peu près... 46 degrés et du beau soleil. Plus, genre 75 mm de pluie, comme c'était un ouragan quoi. Francis a sorti en parasol le matin, elle a sorti Molly. T'es trop cute. Hey Molly! C'est la dernière fois à la cantine. Oui! Et la dernière fois chez Lou. Ah. Oui Molly! Viens, viens! Viens ça! Hey Willy, on est à Charlot pour la dernière fois! Wouhou! Il fait beau! Youpi! Vraiment belle! Hey, même de moi! Hein? Willy a son bol d'eau sans manger. Puis papa arrive avec le manger. Pour notre lunch final, moi j'ai pris un burger au poulet. Francis a pris son fameux burger de la plage. Après, on a pris plein de choses pour goûter. On avait juste pas goûté les fried pickles. Francis a dit qu'ils étaient les meilleurs. Les meilleurs. On a pris les mozzarella sticks, trop aussi. Puis les petites saucisses dans la petite pâte. Wouhou! Hello! Tu baisses un peu? Chat? Tu veux dire allô aux hein? Oh! Il dit pas trop fort, je peux pas entendre, moi. Donc, hello, hello, les amis! Ouais, Molly, hein? Dis à papa qu'il parle trop fort! Ouais! Ah ouais, j'aime après papa. Ouais. Non, je suis ma comique. Ma comique, toi. Ok, bon, on va reprendre. Hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain de mon petit vlog de hier. Comme vous venez de voir, on vient d'arriver de souper à la cantine chez Phil. J'en ai parlé à quelques reprises quand même cet été de cette cantine-là. Et toujours encore en amour. Toujours encore en amour, en tout cas. Let's go les expressions ce soir. Mais ouais, ben gros coup de cœur, comme dirait Johnny, gros coup de cœur sur cette cantine-là cet été. C'est vraiment notre cantine. Et on est allé à quelques reprises. Puis là, c'est la dernière fois parce qu'il ferme dimanche. Donc là, mon vlog va bien sortir demain, j'aimerais. Donc pour les gens de par ici, c'est votre chance. Puis là, il me reste plein de choses pour comme genre dîner demain. Parce que, ben, of course, on n'allait pas tout manger seul. Et mon burger était tellement gros. Moi, je prends toujours le burger, ben, pas toujours, là, mais la plupart du temps. Burger au poulet. Puis c'est genre comme du gros poulet frit, mais genre maison. Avec la sauce buffalo, du cream cheese, des tomates, laitue. Mais genre, aujourd'hui, il était over gros. Comme, juste ça, ça m'aurait vraiment rempli. Ben là, en plus, on a pris des fried pickles. On les avait jamais goûtés. Je sais pas où est-ce qu'on avait la tête.
Mais de jour en jour, j'apprécie de plus en plus les pickles. Non. Mais c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est ma première journée. Je suis trop contente. On dirait que je me regarde. Ouh, on dirait comme... Vu qu'il y a comme mouillé, puis ça, mes cheveux ont venu comme plein. Mais ils sont comme plein, mais un peu ondulés. En tout cas, j'aime ça. Bonjour! Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est une trop belle journée. J'étais contente d'être avec les amis. Ça faisait du bien d'entendre leur mêler une histoire. D'être entourée de leur énergie. Puis, ouais, ça a vraiment fait du bien à mon petit cœur. Puis là, c'est déjà la fin de semaine. Donc, oh my god, je sais pas si vous entendez Francis. Il vient de faire un petit rôle. On a quand même beaucoup vraiment mangé. Beaucoup vraiment mangé. Je viens de dire ça, mais sans même. En tout cas, beaucoup mangé. Mais, ouais, donc belle journée à l'école, je suis contente. C'est plaisant, genre, voir les autres personnes, genre, à l'école, qui travaillent. Ouais, en tout cas, j'étais vraiment contente. Et, en arrivant à la maison, en plus, je venais de voir que j'ai reçu un petit colis. Donc, quoi mieux demander? Journée, belle journée à l'école, date avec mon bib et Molly, et un colis. Et ça, c'est quand même assez drôle parce que j'aurais pas vraiment cru ce moment-là. C'est que j'ai un ami, genre qui vient de par ici, là. Un ami que je me suis fait à l'Uni, puis ça a toujours resté mon ami depuis. Puis maintenant, il travaille pour une agence genre de communication à Montréal. Puis, pour vous intéresser, c'est l'agence Atypico. Puis, mon ami travaille là, genre design, puis tout ça. Puis là, une fois, je reçois un appel. « Allô, man! T'aimerais-tu avoir un colis? » En tout cas, il était avec sa gang au bureau. Allô Seb, si jamais t'arrives ici. Il était avec sa gang au bureau, puis ça a l'air, genre, il a commencé à parler de moi, puis les gars étaient comme, ah, ben là, on va leur envoyer quelque chose. Et cette compagnie-là, quand il m'a parlé de ça, je me suis cramparée parce que je me sentais comme, genre, une vraie de vraie, là, tu sais. J'ai vu que Claudia, je t'ai reçu ça et que ton impression était moyenne. Mais je comprends que ce qu'elle veut dire, c'est pas tout le monde qui aime les boissons aux pommes. Mais pour ma part, moi, je capote. Genre, quand je vais, exemple, à la commission, là, parce que nous, ça s'appelle pas SAQ, là, ça s'appelle le NB Liquor. Puis genre, on dit qu'on va à la commission. Mais genre, surtout l'automne, mais même l'été, là, moi, j'adore boire des cidres de pommes. J'aime beaucoup la SCAO, là, pour les gens d'ici, là, la SCAO de Moncton, là, est vraiment bonne. Moi, j'aime beaucoup ça, là. C'est genre, tu sais, ça goûte le jus de pomme, mais genre d'adulte pétillant. Tu sais, moi, j'adore. Ça, quand Seb m'a demandé ça, je me pensais, là, comme si vous êtes moindrement sur Instagram. Vous avez sûrement vu ça passer sur un Instagram d'une vraie de vraie. Genre, il y en a plein, là, comme Kate qui était à OD, après tout le monde qui était dans l'occupation double. Il y en a plein, genre tout le monde que je suis ont reçu le gros genre congélateur de neige avec genre la boucane. Et puis c'est en collaboration avec Julianne qui était dans Audi justement là, qui sort avec Jordan. Mais aussi Noémie puis Vincent, encore une fois, qui était dans Audi, avait reçu les produits. Puis là, il y avait Big Jess, la maman à Vincent. Mais moi, la maman à Vincent me fait mourir. Genre, j'aimerais que ça serait mon ami dans la vie, là, comme... Pis là, mon ami était comme, « Hey, t'aimerais-tu ça avoir une boîte? Non, 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 t'accepterais-tu? » J'étais comme, « Moi, j'accepte juste si Big Jess est dans mon colis. » Ah, pis là, on riait, là, mais... Ouais, so... Si jamais vous aviez pas mis un plus un ensemble, c'est la compagnie Neige. Donc, les nouvelles boissons... Oh my God, peux-tu prendre un moment pour le tape gold? Puis, c'est ça, hashtag spark the moment, hashtag créer l'occasion. Puis, c'est ça, je pense que c'est pas mal nouveau, la compagnie. Mais moi, je pensais qu'ils faisaient juste des petites canettes, mais il y a l'air d'avoir plein de choses. Il y a genre des gins, il y a comme des grosses bouteilles. En tout cas, sur leur Instagram, l'autre jour, je regardais, puis il y a comme plein de produits. So, c'est genre quand même une nouvelle compagnie, mais ça va être plein, genre un éventail de produits, là.
La seule chose qui est plate, c'est genre il n'y en a pas par ici. Mais pour tous les gens du Québec qui me suivent, si jamais je peux vous titiller, mais vous en boirez ma santé. Mais non, non, non. Je peux pas faire ça, m'a fait faire à moi un collier. Oh my god, mon rab. C'est quoi ma vie? Mais, oh, nice. Je vais pas les goûter tout de suite parce que là, elles vont être chaudes. Nice. Regardez ça, neige. Comme ça. Ça vient avec 4 boîtes. Dans chaque boîte, je pense qu'il y en a 3. Hein, j'ai vraiment hâte de goûter pamplemousse rose. Puis mes amis viennent ici dimanche pour écouter OD. Puis Guérette, elle a capote sur le pamplemousse. Puis il y en a une sorte au pamplemousse rose. Mmh. Donc, salut Mylène. Ça me fait super excitée de faire découvrir nos nouveaux seltzer neige. Fièrement produits au Québec. Nos boissons sont faites de saveur naturelle et ne contiennent que 100 calories. Nous t'invitons à prendre un seltzer, t'asseoir et plonger dans l'univers de neige. Oh my god, mon rap, je capote. Genre, Mylène en gold, comme. Allô? Donc, je vais pas toutes vous les ouvrir, là, mais dans le fond, c'est ça. Il y a pomme originale, pamplemousse rose, pomme originale, pamplemousse rose. Oh my god. Donc, 3 fois 4, j'en ai 12. 12 petites canettes, si jamais vous avez pas fait le calcul. Mais, oh my god, je capote. Et là, je suis comme plate, je vais pas faire un test de goût parce qu'elles sont chaudes. Mais je vous reviendrai sûrement avec mes impressions. Sinon, je vais bien faire un petit taste test sur Insta. Donc, vous pouvez rester à l'affût là. Mais genre, je capote. Ah, puis c'est 4%, c'est bon. 350 ml. J'ai vraiment hâte de goûter. Trop plaisant! Oh my god, merci la gang de neige, la gang chez Attico. Je suis trop trop contente. Mais ouais, vous voulez savoir si vous les avez goûtés et puis si vous avez aimé. Mais moi, c'est comme je vous dis, là, je capote sur les seltzers, je capote sur le cidre de pomme. Puis j'adore le pamplemousse rose aussi. Là, ça serait comme une saveur d'été. Je trouve pomme, c'est comme le fun, c'est comme une belle transition. Aussi, pour les amateurs de Baileys, il y a un Baileys aux pommes qui vient de sortir. Genre quoi? Imagine un petit peu de Baileys aux pommes dans ma nouvelle passion là, au Tim. Là, maintenant, je sais comment le dire en anglais. À la place de dire Apple Tea, Cinnamon, London Fog. C'est juste un Apple Fog. Vraiment facile. Donc, un fog aux pommes. Ou en français, vous m'avez dit, là, vous avez plusieurs m'avoir dit, je pense que c'est un thé latté aux pommes. Je pense que c'est ça. Parce que là, je vous ai peut-être mis en erreur l'autre jour. Parce que je vous avais dit thé pomme et cannelle avec lait. Mais là, en anglais, je disais fog. C'est juste avec lait. C'est genre, ils vont juste vous mettre du lait, genre juste froid. C'est le thé latté, genre le fog. C'est comme le lait moussé, puis là, mettre un petit peu de caramel. En tout cas, c'est comme la full expérience, ok? Mais c'est ça. Donc, trop trop contente de mon colis. Vraiment, vraiment comme fun. C'est mon premier colis de petite boisson. Donc, mon premier colis d'adulte. Mais ouais, c'est comme excitant. Mais c'est ça. Donc, trop trop belle journée. Hier, j'ai eu une belle journée aussi. On a fait de la cuisine ensemble. Et puis là, c'est la fin de semaine qui commence. J'ai pas beaucoup de plans. Prendre sur mon lot. Demain, j'aimerais faire un bon déjeuner relaxé avec mon lit. Et j'aimerais... je vais peut-être le commencer à soir. J'aimerais lire mon dernier livre. Et pandémie, le couple, le genre, la suite de Un week-end sur deux. Et dimanche, c'est la fête à ma mémère. On va tout aller souper la famille au Pizza Light. Puis après, mes amis viennent ici pour écouter la première d'OD. Mais là, c'est genre la première, mais c'est comme pas tant excitant. Là. C'est pas comme le tapis rouge. Nous autres, on pensait que c'était le tapis rouge, mais c'est juste comme les auditions. Mais je vous souhaite une bonne saison d'OD. J'ai hâte de vivre ça ensemble. Et c'est pas mal ça qui va conclure mon vlog, les amis. Merci d'avoir été là encore une fois. Merci de me laisser toujours des beaux commentaires. Je vous aime d'amour. Et on va se revoir très bientôt. Donc un gros 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 merci. Puis c'est ça. Bye, bonne fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Là. Je vous envoie tout plein d'amour. Mm-hmm.